Hi, I wanted to share with you my interview with John. After that, I'll have gifts for you if you don't have them yet. I'm Christian Aubert, French whisperer, former smart French. Most people learn French at school, and most of them can't speak French, unfortunately. It's not them. It's not the teacher either. It's the system that can be improved. John didn't learn French at school, and he is fluent. He's from South Carolina, and he now lives in London. Do you want to hear his experience learning French? Just a few minutes. Here it is. Ça fait deux ou trois mois qu'on se connaît. Et donc, tu as une expérience intéressante parce que tu as appris le français tout seul. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ton expérience pour aider tout le monde. J'ai perdu beaucoup de temps avec ouais. La méthode. Que ne marche pas bien. Bien sûr. Hein? Je pense qu'il y a une méthode d'apprendre la langue. J'ai essayé la méthode et j'ai dépensé, je pense, mes dollars. Bien sûr. D'abord, 2005, j'ai vu une annonce, une vente. Sales, une vente par Michel Thomas de CDs dans une librairie Barnes & Noble. Uh-huh. Et j'ai acheté le foundation course, le cours de base, et aussi, plusieurs textbooks, plusieurs livres de français. Et j'ai commencé avec Michel Thomas. J'aime bien cette méthode, mais j'ai toujours eu le problème avec. Je crois que c'était la contraction et aussi les différences entre, par exemple, je parle, vous parlez, oui. Oui, c'est un café, je parlais, j'ai parlé, le petit son ou bien je te l'ai déjà dit, les petites phrases avec le E. Ah oui. Et après ça, j'ai. Pendant que j'ai pris ce cours, il y avait un cours de français Living Language Complete French avec trois CD. J'ai réussi avec la prononciation et c'est dommage parce qu'on ne vend plus le cours. Je pense à cette époque-là, je ne pensais pas que ça marche parce que ce n'était pas très intéressant. On écoute. On répond. Ouais. Oui. Ça devrait être meilleur. C'est limité, disons. C'est limité, oui. Mais ça a bien marché. Ouais. J'ai essayé plusieurs autres cours de français de FSI, Foreign Service Institute. Ah oui. Oui. Et aussi Pimsleur, mais c'était trop difficile de répondre. C'est un peu comme on arrache les dents avec tout le drill. Oui. J'ai lu plusieurs reviews. John McWhorter, c'est un professeur de langue. Ah oui? Et plusieurs autres gens ont écrit des reviews de Simon. Oui, plusieurs personnes ont fait des commentaires. Oui, ils ont fait des commentaires. Et ça a bien. J'ai réussi avec le premier 20, 30, 40 leçons, mais ça a devenu aussi un peu plus difficile avec le passé composé, les imparfaits. Les différences entre le subjonctif, le conditionnel, le petit son. Et c'était frustrating, qu'est-ce qu'on dit? Frustrant. C'était frustrant pour moi. J'ai complété 100 leçons et après, je regardais la vidéo French in Action, je crois, 3, 4 fois. Uh-huh. J'écoutais seulement. Je crois que cette année 2007-2008, j'ai fait presque 200 heures de pratiquer le français en répétition
en écoutant le français. J'ai acheté ton cours à Smart French après un an, deux ans de frustration avec comment on peut prononcer, mieux prononcer le français. J'ai réussi avec la première dix leçons. J'ai acheté le Traveler's Guide, je crois, et aussi le CDs. Il y a quatre CDs avec la base de prononciation, l'alphabet, les nombres, etc. Et soudain, je pouvais dire le français, les leçons de français, je peux répéter le français. J'ai remarqué, je pouvais comprendre les interviews. Et j'ai trouvé un livre à savoir dire. J'ai complété plusieurs leçons cinq fois, autres seulement une fois. Et après, j'ai commencé un review avec French in Action, Simmel. J'ai appris le son de français avec Smart French, comment on peut vraiment parler français et écouter français, et avec Simmel et Smart avec French in Action et Simmel, j'ai appris plus de vocabulaire. Voilà. On a fait une randonnée en France en 2008. Ce que j'ai impressionné le premier jour en France, je pouvais louer une voiture, je pouvais commander le café, je pouvais demander le renseignement, je pouvais faire un appel téléphonique et faire une réservation. Normalement, ça ne marche pas avec la langue étrangère parce que normalement, mon expérience avec l'allemand ou l'espagnol, c'était comme ça. Le premier jour, on part de l'aéroport et on a soif et on entre dans un café et on dit « Moi, j'aimerais un café, s'il vous plaît ». Oui. Et ensuite, on entend quelque chose comme ça, bla 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 bla. Et on ne comprend pas. On dit, comment? Et les gens disent en anglais, Would you like a single or a double espresso? En anglais. Ben oui. That will be €3. Et, mais ce n'était pas mon expérience. Sur quoi tu avais travaillé juste les jours avant d'aller en France? Les deux semaines avant que je suis arrivé en France, French in Action, je n'utilise pas ce vidéo parce que ça prend trop de temps. J'ai fait avec Audacity les fichiers audio avec Smart French pour pratiquer les interviews avec RFI. Et aussi Assemble parce que c'est facile à utiliser. Et après, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier jour, on a réussi à louer la voiture et j'étais très surpris parce que la première visite, on a fait... était à Guernsey. C'était la maison de Monet. Giverny, oui. Giverny. Giverny. Oui. Et qu'est-ce qu'on dit de Lily Pond? J'ai oublié le nom. La mare. C'est une mare. Oui, c'est une mare. Oui, mais je... Un petit étang, en fait. C'est quand même un étang. Hein, disons. Oui, oui. Mais... je me suis entré dans un bureau de renseignement et je demandais bonjour, est-ce que vous êtes renseigné pour vous ou est-ce qu'on peut stationner comme on trouve la maison de Monet ou est-ce qu'il y a un bon restaurant pour le déjeuner. Et
On a parlé de tout et rien et il m'explique. Il sait que je ne suis pas français, c'est évident, mais et après, j'ai été surpris parce que c'était le premier jour, j'ai eu pas de problème avec les communications. J'ai parlé, je crois, beaucoup plus fort que je parle maintenant parce que j'ai fait beaucoup de pratiques. Et il me dit d'où venez-vous? Ah, c'est moi, je suis américain. J'ai fait les mêmes contractions dans Smart French et il était. Il était très attendu et c'est, non, c'est pas vrai. Non, c'est sans blague. Ouais, voilà mon passe. Et il me dit oh, je suis surpris parce que les Américains, on ne parle pas le français comme vous. Il me dit, il me donnait le renseignement, il me dit, merci, bienvenue en France. Il y avait une autre expérience parce que en Bayou, on a descendu dans un petit hôtel de plage de Barquemont. C'est pas loin où le film Save Private Ryan. Ah oui, oui. C'est le même endroit, mais on a visité, je crois, presque tous les jours Bayou parce que pour manger, pour voir la cathédrale, pour voir le tableau. Il y avait un homme et sa femme, ils venaient de Paris, mais ils ont acheté un hôtel avec un restaurant. Mm-hmm. Et je me souviens qu'il nous a donné une bouteille de champagne gratuit. Wow. C'était notre anniversaire, jour d'anniversaire. Il me donnait une bouteille de champagne gratuit. Ah oui. Il me dit merci pour votre français. Parce que tu parlais comme lui. peut-être presque. Je crois que c'était facile. Pour le français, pour les oreilles, parce que le son. Ah, ouais. J'ai fait des erreurs avec des conjugations et c'est pas grave. Peut-être avec le mot, mais même les Français font des erreurs. Mais je pouvais communiquer et. Je suis un peu fâché parce qu'à cette époque-là, je disais non, il faut que j'écrive à Monsieur Aubert pour le remercier. Mais c'était un peu en retard, mais voilà. Super. Et alors, bon, t'as arrêté de t'intéresser au français pendant un moment alors? Oui, j'ai fait une pause, mais ici ça c'est un diagramme que utile est mon favori. Au centre dans le cercle est French in Action, parce que ça c'est le corps que j'ai utilisé le plus et le deuxième c'était Assemble. Ouais. Pour commencer, Michel Thomas était très très utile et pour la prononciation et j'ai utilisé Smart French comme c'est pas comme un cours de français, c'est plus comme un prof de prononciation. D'accord. Oui. Un peu dans la même manière, on utilise Michel Thomas. Mm-hmm. Mais je crois que Smart French est plus utile parce que maintenant, il n'est pas pratiqué, il n'est pas utile de pratiquer avec Michel Thomas parce que c'est pour le beginner. Oui. Ah, mais oui. On peut toujours faire un review avec Smart French. Oui, j'utilise même aujourd'hui.
Yeah. Oui. À cette époque-là, ce n'était pas pour les débutants, c'était pour les gens qui sont un peu plus avancés et ouais. ils ont le blocage. Voilà. Oui. Je liste aussi Cortina Berlitz, le livre les books de grammaire, les dictionnaires. CLE International, c'est une librairie ou publisher. C'est un éditeur. Les books de vocabulaire sont très instructifs et c'est un bon review pour mieux comprendre et pour retenir le vocabulaire, le savoir-dire et aussi RFI. Yeah. Je liste aussi French Today, Camille, en 2007-2008, elle a un podcast gratuit et... sa recommandation, c'est un peu pareil. Pendant 2005, 2006, 2007 et 2008, j'ai perdu beaucoup de temps avec l'idée que j'ai besoin de compléter une méthode parce que la méthode enseigne le français. Et j'ai essayé de forcer beaucoup de fois et j'ai réussi pas. Si j'ai commencé une étude de nouveau, j'aimerais bien commencer avec Smart French, le son mot, French Whisperer, et ensuite écoute et regarde les vidéos cinq fois avec French in Action parce que c'est un méthode un peu pareil. Et... Oui, si tu avais à recommencer, ça serait comme ça. Oui, c'est comme ça. Et le plus vite possible, écoute, il y avait un site radio en français facile, aussi un podcast, et écoute le dialogue, ça ne fait que 5 minutes, 10 minutes par jour. Super. Oui. Et les autres Programme, les autres programmes, les autres livres ici sont utiles, mais pour un débutant, je recommandais commencer avec un nouveau cours. Le cours de French Whisper Smart French, une combinaison peut-être avec Paul Noble et Michel Thomas, parce que c'est bon pour commencer. Ça fait, je crois que ça fait, ça dépend. Le minimum 4 mois, je pense, 6 mois, et ensuite prendre un cours. Et certainement continue avec les presque 20 de 19 leçons et programmes, un leçon par semaine, fait un review avec le French Whisperer. Regarde les films avec les sous-titres, écoute radio en français facile. Et les autres cours, je crois, utiles pour mieux comprendre le français et pour continuer les vocabulaires, un bon basse de vocabulaire. French in Action, ça contient, et aussi Assemble contient une base de grammaire 5 000 mots, je crois. Wow. Okay. Passif, oui, c'est bon. C'est pas, je crois que c'est pas le plus important, mais ça fait, ça m'amuse. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui. Ok, super. Merci pour l'explication. Hein. Je crois que tu m'as dit que tu connaissais assez bien Rosetta Stone, Babel et Duolingo. Tu peux m'en dire deux mots? Qu'est-ce que tu penses globalement de Rosetta Stone et Babel? Rosetta Stone, ça, c'est comme logiciel, c'est un bon logiciel. Je crois que
c'est amusant d'utiliser, mais pour moi, c'était comme un jeu pour amusement. Et tu mets Babel quand même. Oui. Non, c'est pas mon favori. Je recommande Duolingo. Ça coûte, c'est gratuit et son advertisement, ce n'est que $7, mais c'est pas beaucoup. Mais pour les autres, ils vendent des subscriptions et quand la subscription est finie, on ne peut dire rien. Pas de livre, pas de fichier d'audio. Pas de vidéo. C'est pas mon favori. Je recommande pas cette méthode. La meilleure méthode est d'avoir quelqu'un qui est français lire, parle dans une vidéo, dans un fichier audio et d'avoir un script en français et en anglais. D'accord. Oui. Ok. Ça c'est la base. Ça, c'est la base, oui. C'est vrai. OK. Oui. Merci, alors, merci. C'est super. Pour les débutants, je te recommande, commence avec la méthode avec le 130 mots. 130 mots et continue avec le French Whisperer. Et n'inquiétez pas pour apprendre beaucoup de vocabulaire ou beaucoup de grammaire. Seulement écoute et répète. Fais une imitation avec le son et achète peut-être aussi un cours de Paul Noble, Michel Thomas ou Rapid ouais. French Earworms pour ce musée. Et après 3 mois, 4 mois, 5 mois, cherche un cours de français. Oui, si c'est possible. Ouais, parce qu'avec le 130 mots, le French Whisper, Paul Noble ou bien Michel Thomas, on a la première base, je crois. Ah oui, prendre. 500 mots, 500 mots, ouais. La première base, un peu de connaissance pour commencer à parler. Et après ça, continue avec Smart French. Il y a 19 leçons, un leçon par semaine. Regarde un film de français, même si on lit le sous-titre. Écoute radio en français facile. Et continue avec les autres cours de français. Semel, à mon avis, est un peu pareil parce qu'ils ont les mêmes idées en tête, mais c'était une méthode plus vieux. Plus ancienne, oui. C'est plus ancienne. Pour toutes les leçons, le plus important est d'écouter et utilise les règles de Smart French, utilise les règles de French Whisper, utilise les règles et pratiquer les phrases et apprendre plus de vocabulaire. Oui, voilà, c'est ça. Oui, la meilleure méthode, à mon avis, est une conversation avec French in Action parce que même si on n'a pas envie d'étudier tout le point de grammaire avec Pierre Capritz, les mises en scène, l'actrice... Elle est très bonne. C'était très bien. Elle est super bien. C'était très... Voilà. Bon, ben merci. Alors, merci pour tout. Merci. OK. Bye, John. I hope you liked what John had to say. For my gifts, click on the link below the video in the description. If you want more information on my product, click on the second link below the first one. Subscribe to the channel, write comments to share your experience with me. I'll try to help you. And click on the link and I'll see you on the next page. Salut!